Музиката Bienvenue sur Moisie pour cette nouvelle vidéo consacrée au Yamaha Montage et au MODX. Et on démarre le deuxième volet des vidéos consacrées au Smart Morph avec cette fois les astuces d'utilisation. Donc je vous rappelle, si vous ne l'avez pas encore vu et pour comprendre les basiques du Smart Morph, vous allez voir la première vidéo. Je vous ai mis le lien dans la description. Alors, pour ces astuces, là, on va un peu plus parler d'utilisation, de comment utiliser le Smart Morph. La première des choses, c'est choisir notre part 1 de départ. Dans la première vidéo, je vous ai d'ailleurs montré en partant d'une Init FMX, comme je l'ai à l'écran ici. Pourquoi est-ce qu'on choisit de démarrer d'une Init FMX ou d'un son existant que je vais vous expliquer en premier. Donc si je veux partir en quelque sorte d'une coquille vide, je ne veux pas qu'il y ait d'interpolation du supernobe. Je n'ai pas envie que quand je bouge le supernobe, il fasse bouger des paramètres divers et variés. Je veux qu'il ne s'occupe que de mon SmartMorph. Peut-être après je vais ajouter des choses, mais je veux vraiment avoir tout sous la main. Les arpèges, ça ne m'intéresse pas, les motion de séquence non plus, etc., etc. Je veux partir vraiment de zéro. Euh, ben là, évidemment, on va partir d'une part FMX. Donc c'est ce qu'on euh, va faire maintenant. Donc je vais aller sur SmartMorph. Je vous rappelle que la part 1, entre guillemets, dans ce cadre-là, là, on s'en moque. Puisque je veux une coquille vide, je veux partir de zéro. Et je vais aller ajouter, je vais le faire assez rapidement, des pads, des pads FM. Tiens, pourquoi pas Un bel, comme ceci. Mon fameux pad qu'il faut que je mette en panne centrale. Et puis on va aller chercher un autre pad. Voilà le signpad, pad. Là j'ai trois pads. Celui-là il est bien centré. Celui-là je vous rappelle. Hop, si vous avez ça, on va en commande, on va sur les par settings et on va le mettre avec le pan au centre. Je fais exit, je reviens sur mon écran Smartmorph. Morph. Voilà, sympa. J'ai un truc assez sympathique. Voilà, j'ai trois sons. Hop, je fais mon LERN pendant le LERN. Je peux jouer du son qui a été sélectionné puisque pour l'instant, rien n'a été fait. Voilà, et là, j'ai une carte Smart Morph. J'ai mon son de base, c'est la partie 1 parce que je n'ai pas encore cliqué. Dès que je clique, voilà. Admettons, voilà, c'est ce son-là que je veux, euh, il me plaît euh, et je veux le conserver. Par exemple, j'ai fait la Smart Morph pour créer un son euh, qui en mélange un peu de ces trois sons-là avec des paramètres interpolés. Euh, J'aimerais garder ce son-là. Qu'est-ce que je fais Je clique sur ma part 1, je fais copie, je lui dis que je veux aller en part 2 et euh, si je mute voilà, le son que j'ai créé euh, en Smart Morph, il est là. Il est sur euh, cette partie-là. Cette partie 2, elle n'a pas de Smart Morph. Hein. Si je bouge, il ne se passe rien. C'est simplement la mémorisation du, du plot que j'avais à peu près par là, euh, que j'ai copié, sauvé en partie 2. Je veux créer un autre son interpolé. entre le bell et le, et le, et le pad, voilà, celui-là il me plaît copie part 1 vers part 3 et là donc si je le mets en solo j'ai mon son c'est le troisième là j'ai le second le troisième, tout comme le premier, si je bouge le Smart Morph, ça ne passe rien. Hein. C'est la mémorisation du plot que j'avais à l'écran tout à l'heure. Et le premier, c'est toujours mon Smart Morph qui est là. Donc voilà, ça c'est la première astuce. Comment, à partir de la Smart Morph, je vais créer des sons que je vais pouvoir conserver, réutiliser, en partant dans cette optique-là. Eh bien, c'est bien. Mais euh, là maintenant, euh, ok, j'ai mes deux pads. Euh, ils sont bien, ils me plaisent. Euh, le smart morph, j'en ai plus besoin. Donc je vous rappelle, on va sur smart morph, on va sur job, et on fait delay smart morph. Si je reviens à ma performance, vous voyez que j'ai plus d'écran Smart Morph. Si je prends ma part 1 toute seule, il y a eu quelques mouvements, mais ça reste quand même quelque chose de basique. Et je retrouve mes deux pads. Vous allez me dire, ben là, la part 1 ne me sert plus à grand-chose maintenant. Ben C'est très simple, hein. on va cliquer sur cette part. On va faire copie, part 3 à part 1. Maintenant, j'ai ce son là. Ici, je fais delete. Voilà. Et maintenant, j'ai mes deux sons. Que je peux garder, que je peux jouer, que je peux sauver. Je peux sauver et faire une nouvelle performance. J'ai créé mes pads smart et donc dans ce cadre d'utilisation là, voilà, j'ai créé deux sons. Je pourrais les réimporter dans des performances. Je sais que j'ai un bloc de pads, je peux en faire plusieurs comme ça, que je vais pouvoir réimporter, réutiliser dans mes performances. Donc là, c'est vraiment de la création de sons FMX de manière assez simplifiée. C'est des sons bruts de base, puisque je vous rappelle, je suis parti d'une part init FMX. Donc, il n'y a pas vraiment d'effet, il n'y a pas d'arpège, il n'y a pas de réglage spécifique, il n'y a pas de réglage lié au supernob -nope de base, il n'y a pas grand chose dessus. Hein. Mais euh, c'est dans ce cadre d'usage-là voilà qui permet de créer des sons. Je l'ai fait avec des pads, on peut le faire avec des leads, on peut le faire avec des soundstrings, on peut le faire avec des EP, on peut le faire avec ce que vous voulez. Parce que la FM permet de faire beaucoup, 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 beaucoup de sons. Alors je reviens exprès sur cet écran de job, euh, même si maintenant euh, j'ai plus grand-chose, hein. même si en play j'ai plus rien, vous voyez qu'en edit, mes attributions de son qui ont servi à faire la smart morph sont toujours là. Pourquoi Parce que tout à l'heure quand dans le job, maintenant bah j'en ai plus, hein. j'avais le pavé qui était ici, qui était là, euh, Delete euh, smart morph, j'ai effacé la smart morph, la carte. Avec les interpolations liées à la part 1. Je n'ai pas effacé les parts 9, 10, 11 que j'avais faites tout à l'heure. Euh, N'oubliez pas que le SSS, la transition de performance sans coupure, fonctionne sur le montage uniquement si vous n'avez rien sur les parts de 9 à 16. Sur le MODX, je vous rappelle, si vous n'avez rien, sur les parts de 5 à 16, puisque sur le MODX, on ne peut avoir que 4 parts maximum pour avoir la transition de son sans coupure. Donc n'oubliez pas, une fois que vous avez effacé votre Smart Morph, parce que ce qu'on voulait c'était effacer la Smart, d'aller supprimer les parts de 9 à 16. Et là, si je reviens en edit, voilà, je suis libre. Et si je vais sur ma performance, le logo SSS est revenu. Voilà. Alors que tout à l'heure, il n'y était pas. Donc ça a l'air simple, mais c'est les données auxquelles euh, il faut penser. Je ne vais pas revenir dans cette vidéo euh, sur la partie analyse et euh, sur la partie euh, Supernob, parce que je pense que dans la première vidéo, je vous ai largement expliqué comment on utilisait ça. Euh, job. Alors vous allez me dire, bon voilà, bah maintenant on a tout effacé, on a Load a Smart Morph. Donc attention, là si je load une Smart Morph, je vais loader, je vais écraser des données sur la partie 1. Euh, donc il faut bien y penser avant de le faire. Vous allez me dire, mais il y a load, mais comment on fait save En fait, je vous rappelle, euh, quand vous sauvez une performance avec sa carte Smart Morph, elle va apparaître à l'écran ici. Euh, là, tout à l'heure, la mienne, vu que j'ai effacé les données pour libérer, pour faire de la création de sons de base qui me serviront à d'autres choses, donc je ne l'ai pas ici à l'écran puisque je ne l'ai pas sauvegardé avec la Smart Morph, mais en fait, c'est quand vous sauvegardez une... Performance avec du SmartMorph, elle apparaîtra dans cette liste, ici dans les users, forcément, ou dans les librairies, si c'est librairie. Donc il n'y a pas à sauver un smartmorph tout seul, c'est en fait c'est la performance qui contient le smartmorph et on recharge les données du SmartMorph. Autre chose euh, qu'on va aller voir avec un autre exemple. Donc je vais sortir d'ici, je vais aller chercher euh, un, un petit verly. Alors je vais me mettre... Je rappelle FMX. Voilà. Et je vais partir d'une performance existante. Le FM vurly 1. Pourquoi Parce que bah, le son me plaît de, dé de départ déjà. Et puis ce son, il a déjà des effets il a déjà des réglages. Et peut-être que ces effets, ces réglages, peut-être que les arpèges, il y a des arpèges. Il n'y en a peut-être pas là. Hein. Là, il n'y en a pas. Et peut-être que ce son, euh, il a des effets. Il n'a pas d'arpège ici, mais peut-être s'il avait eu des arpèges, j'aurais voulu garder les arpèges. Il a peut-être des réglages supernobes. Ou bas. Voilà. Je veux... pas partir de quelque chose de vide, je veux partir... Des données euh, commandes existantes, c'est-à-dire, si j'avais sur l'édition de la part, je vais récupérer quand même le part setting, ça, le pitch filter, les effets, je veux les garder, les arpèges, s'il y en avait, je veux les garder, motion sec, motion control, tout ceci, je vais le garder. Cette partie-là, par contre, euh, elle va être modulée par la SmartMorph. Et puis, toutes nos parties, tous nos réglages opérateurs vont être modulés par la SmartMorph. Mais je veux garder tous les paramètres commandes de la part. Et donc, dans ce cas-là, bah, vous choisissez euh, votre part FMX de départ. Comme ça, elle a tous ses réglages. Il y avait des scènes de mémoire, Elle aurait encore ses scènes mémoire. Et euh, on va créer une SmartMorph en partant de là. Donc, évidemment, euh, dans l'idée, là, je vais quand même rester. Euh, sur des choses assez proches. Je vais faire ça simple, hein, je vais en mettre que deux. Voilà, je vais faire mon learn. Donc, vous voyez, il n'y a pas beaucoup de différence parce que là, j'ai mis qu'une part. Il ne se passe pas grand-chose. et le temps qui s'affiche avec l'estimated time. Voilà, et là on va avoir quelque chose d'un peu plus sympa. Voilà, et donc ici, le son SmartMorph que j'ai créé à garder toutes les données d'effet. Les effets d'insertion sont conservés. Euh, les arpèges, s'il y en avait, sont conservés. Les réglages de scène memory en général de la performance, mais ils peuvent m'intéresser, sont conservés également. Donc, mais sur, surtout, les paramètres part sur lesquels il faut, euh, faut s'intéresser. Donc, tous les paramètres part, common, à l'exception de l'algorithme du feedback, sont conservés. Et donc, je peux créer un autre son Et garder euh, donc les paramètres communs, donc voilà un peu l'idée déjà de départ. Euh, soit je pars de quelque chose qui est vide et que je vais complètement modeler, soit j'ai quelque chose avec des éléments qui m'intéressent. Et quand je parle d'éléments, je parle pas des éléments, hein, je pas, on est pas en WM2, on est en FMX, euh, des arpèges, des effets, des choses qui sont dans la partie commune et que je veux conserver. Autre point euh, qu'on va voir, alors je vais sauver euh, cette performance, parce que je vais avoir besoin de la sauver pour vous montrer le prochain exemple. Euh Voilà, c'est mon Vurli FM Toy. On dit c'est pas mal, euh, mais euh, j'aimerais réinterpoler encore et puis euh, remettre quelque chose avec. Euh, mais moi, ce qui m'intéresserait, euh, par exemple, je sais que euh, dans cette multipart performance là, euh, c'est pas la partie 1 qui m'intéresse, c'est la partie 2. Et nous, quand on choisit une multi performance, on a accès qu'à la part 1. Donc la fameuse DXCP, comment est-ce qu'on va faire Vous allez voir, c'est pour ça que j'ai sauvé. Donc je vais là en catégorie search. La voici. Ça tombe bien. Et il y a deux parts. Alors il y a de fortes chances que ce soit la même en panoramique, hein. mais c'est pour l'exemple. Donc j'ai copié les données de la partie 2 sur la partie 1. Je vais sauver cette performance. Et ça va me permettre de vous montrer un attribut qui est nouveau dans les performances catégories search. Vous avez l'habitude hein Oh là, WM2, FMX, FMX, WM2, Motion Control, contrôle CSS, single, multi. Et on a cet attribut qui est là. Smart Morph. Donc maintenant je peux ne voir que mes performances Smart Morph. Comme mon Vurly était en keyboard, il est là. C'est mon Vurly FM Toy. Donc voilà, j'ai resélectionné mon Vurly FM Toy et je veux ajouter donc mon Vurly Toy qui est là la part 1, donc qui était la part 2 que j'ai copiée, ça peut être la 3, ça peut être la 4 hein, que j'ai copiée, ici, donc voilà, elle est là maintenant, et je fais learn. Et voilà, maintenant j'ai une nouvelle carte, qui est une interpolation des trois, Donc voilà comment on récupère la partie 2, 3, 4, 5, 6 d'une performance, multipart performance. Il faut la sauver. La passer sur la partie 1. Donc je vais faire ceci. Comme ça, je re le, le, le réglage que je viens de faire. Vous voyez que la carte a changé, les couleurs ont changé, les... la visualisation des paramètres d'interpolation a été modifiée dans Analyze. Et ce qu'il va falloir que je fasse, parce que la performance où j'ai copié la partie 2. M'intéresse pas forcément. Donc je vais devoir aller effacer cette performance. Donc je vais aller dans Data Utility. Je vais aller dans euh, Performance. Je vais choisir donc euh, mon DXCP2 que j'ai modifié tout à l'heure. Je fais Delete. Vous voyez que j'ai utilisé la fonction date euh, en bas à droite ici pour me permettre d'avoir donc les performances par date, ce qui me permet d'aller un petit peu plus vite. Et vous voyez que j'ai deux smartmorphs qui sont là. Et donc si je vais en job, que je fais load smartmorph, vous voyez que j'ai deux cartes mémorisées pour mon vertitoil. La première carte que j'ai fait tout à l'heure est. La deuxième carte. Alors évidemment, là je l'ai rechargé. Parce que dès qu'on appuie dessus, ça charge. Et là, j'ai retrouvé ma carte. Comme ceci. Et voilà, j'ai récupéré mon SSS et je peux utiliser comme je le souhaite. Voilà, j'espère que ces astuces d'utilisation vous auront été utiles, qu'elles vont vous permettre de mieux utiliser la fonction Smart sur votre montage ou votre MODX. Donc je vous rappelle si on part de quelque chose de vide parce qu'on veut euh, aucune interférence avec les supernobles, les effets, on veut vraiment créer quelque chose. À ce moment-là, on part du FMX init. Soit on veut garder des effets, des réglages, des arpèges de l'appart. À ce moment-là, vous partez de l'appart et vous euh, faites votre smart morph. Comment on récupère les parts de 2 à X d'une multi performance, je vous l'ai montré. Et surtout, on n'oublie pas, une fois qu'on a fini de travailler, de supprimer les parts de 9 à 16 de manière à retrouver le SSS. Parce que c'est important, notamment quand on joue en groupe sur scène, de pouvoir avoir les changements de son sans coupure et on se retrouvera pour une troisième vidéo Smartmorph prochainement et là on va parler du knoboto à bientôt au revoir